de départ, peut-être. Bon, par contre,
contre, la machine, je ne suis pas sûr qu'elle porte bien. Le pilote, c'est ça l'essentiel. Mais vous savez, en tracteur cross, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de châssis, enfin de tracteurs qui se couchent. Et pour autant, ils sont extrêmement bien semblés. C'est assez rare qu'il y ait quand même de la casse humaine. Et là, ce n'est pas le cas. Ouf, on est content. Alors par contre, je ne sais pas, t'as vu toi le numéro, non? Pas fait attention. Moi, c'est le public qui m'a alerté. J'étais en train de regarder le public. Voilà. Le 53, aïe, quitte ce soir. Le 53 était en train de se battre dans les avant, à l'avant du classement. Bon, regardez, on va l'en mettre sur ses pieds, sur ses roues. Hop, voilà, ça y est, c'est fait. Oui, t'es deuxième, hein. Eh oui. Eh oui. Ah. Non, parce que c'est le 41 qui est deuxième. Il l'avait passé. Ah. Bon, à mon avis, de toute façon, la procédure veut qu'il ne reporte pas. Maintenant, on était là. Il n'y a pas supposé repartir. Alors déjà, il y a l'état de la machine. Bon, nous sommes sur le régime de neutralisation. C'est la première fois aujourd'hui pour la neutralisation en course, hein, parce que ce matin, on a eu un essai. Et d'ailleurs, on en a eu un essai, mais pas pour des tracteurs qui se soient retrouvés sur le flanc, mais qui étaient pas utilisés. Embourbés notamment. Comme moi, des fois dans des blabla, des fois j'en bourre. Par contre, moi, pour moi, on ne met pas le drapeau rouge, c'est le problème. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Les dix, là. Oh. Ah ben le 10, non, mais t'as raison, avec uniquement 3 rapports, il va fort. Et tiens, ça aussi, avec uniquement 3 rapports, il va fort. Tout à l'heure, j'ai dit, c'est la 4e ou 5e manche de dimanche. Avec 3 rapports, il va fort. Vous voyez les rimes ? Vous voyez les rimes ? C'est un métier, madame. Oui, ça travaille. Hein, c'est sûr, hein. On va faire ça bon. Ah ! On prend le temps. Pas de problème. Oui, j'ai l'impression que tu as raison, il y a de la casse. Les gens qui ne seraient pas. Bah, de toute façon, c'était pas possible de repartir, c'était possible tout simplement. Hein. Et on voit le pilote qui s'est. Il est en train d'enlever son casque. Tiens, on applaudit ce pilote que vous voyez là-bas, il va peut-être nous entendre. Le pilote accidenté. Ouais, il va bien, il a le bras. Oh, il nous fait du bien, il nous fait du bien. C'est pas vous qui m'auriez dit, il est là-bas. Il va partir. Là, vous n'êtes pas fatigant, vous faites plaisir. Bon, alors, mais qu'est-ce qu'il vient faire par là, lui?